J'ai testé pour vous l'intelligence sans coder de Google. Donc vous devez aller dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo sur YouTube ou alors sur l'article de monrépondeurautomatique.co. Et puis vous arrivez sur cette page et vous pouvez sélectionner soit de tester des images, soit de l'audio et soit éventuellement des pauses. Nous allons commencer par tester des images. Donc d'abord on classifie avec je vais me tester avec lunettes. Je me prends en photo à partir de ma webcam. Je prends suffisamment de photos. Puis je me teste une deuxième fois sans lunettes. Et puis, je laisse la machine s'entraîner. Plus il y a de données, et évidemment, plus ça prend de temps. Une fois que c'est terminé, eh bien, la machine reconnaît lorsque j'ai des lunettes et lorsque je n'en ai pas. On voit avec cet outil qu'il est très facile de monter un système de reconnaissance de visage ou alors de produits ou de caractères. Il existe plein d'applications dans l'industrie, dans la santé, dans la sécurité. Ensuite, vous pouvez récupérer le modèle en JavaScript ou alors sur TensorFlow ou TensorFlow Lite. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Retrouvez toutes les informations dans la description de la vidéo sur YouTube ou alors sur monrépondeurautomatique.com. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour voir d'autres tutoriels.